Salut à tous, c'est Alex au serveur et regardez, épée et bouclier, l'extension est arrivée, le nouveau bloc. Éclipse cosmique magnifique, j'ai cette carte en vrai avec les bébés. Ça faisait un petit moment, mais c'était l'occasion voilà, avec la sortie d'épée et bouclier de relancer du coup le Pokémon JCC. J'ai très envie d'y rejouer, j'ai pas de cadeau. Mais si, j'ai un petit peu de sous-sous. Bon, je vais préférer un petit booster au moins pour fêter l'arrivée du coup de... d'épée et bouclier, ce serait bien, mais c'est pas grave, j'ai pensé à tout. C'est dans quoi déjà? Voilà, lancer le lecteur. J'ai sorti, j'ai acheté pas mal déjà de... Hello, il fait froid, j'ai mon plaid du coup. J'ai sorti du coup toutes mes cartes de JCC. Voilà. J'ai pris que du épée et bouclier, dont les decks à thème, etc. Mais alors... Allez! Voilà. Hop là, donc vous voyez le deck gorithmique, le coffret d'élite Zamazenta, le coffret d'élite Zacian. Et après bah ça va être du booster. Hop. Tac. Encore du booster. On peut en mettre 10 hein. On y va. Donc les règles ont un petit peu changé avec épée et bouclier. Déjà, gros malheur. Les Pokémon de type fée ont disparu. Donc là, autant vous dire que je suis super vénère. C'est mon type préféré, comme vous le savez. Donc ça ne va pas du tout. Il n'y a plus de type fée. Du coup, ils deviennent de type psy. Et les Pokémon poison passent en type obscur. Pourquoi pas? Non, c'est pas mal. Ça va équilibrer les types. Alors, du coup, j'ai gagné les petits jetons. Comme j'ai le deck Pyrobut et le deck Gorythmique. Et puis, j'ai plein de... de jolies petites cartes, dites donc. Plein de cartes d'épée et bouclier. Donc ça, c'est toutes les cartes du deck. Et puis, bah, les boîtes du deck, les protège-cartes du deck, les nouvelles énergies. Très bien. Et puis, tac, les boosters. On va ouvrir ça. Et hop là, attention. Alors, qui on a déjà? Donc c'est que... toutes ces cartes là, je les ai en vrai. Moi j'ai quasiment déjà toutes les cartes d'épée et bouclier. Enfin, toutes les communes et Unko, j'ai tout. Par contre, dans les rares... Mushana, je l'ai. Je l'ai en vrai. Bien sûr, parce que là c'est que des nouvelles cartes hein, pour moi. Shashidou en parallèle. Bourinos, je l'ai en vrai. J'ai Rosemary en secrète, je suis très content. Wistempo. Oh, Sinistrive. Bah celle-là, je l'ai pas en vrai. J'ai la version classique. Pas sur fond uni. Roselia qui est très beau. Le Poisseroi aussi est très beau dans cette collection d'ailleurs. Pyrobut. Il m'en manque des Pyrobut. Celui-là, je ne sais pas si je l'ai. Notre lapin footballeur de type feu. Poisseroi, regardez comme elle est trop mignonne cette carte, franchement. Les Argus, je l'ai. Goupilou. À Flamanoir, je dois en avoir 100 000. Et Morpeko, regardez comme il est mignon. Bien. Et eh ben j'ai plus d'autres cartes. Du coup on a des nouveaux boosters qu'on peut acheter. Et bien sûr on a les decks. Mais j'ai déjà les decks. Donc on va pas s'embêter. Par contre il me faudra des sous pour aller choper. Continuer à choper les decks XY évolution. Ça me ferait plaisir. Pillar Gold, Soul Silver, toutes ces vieilles cartes. J'adore. Alors, tiens, qu'est-ce qui se passe ici, hein? Produit reçu. Ah bah oui, voilà. Donc les decks terminés. Ok. Hop, tu peux rebasculer. On va voir les défis quotidiens. Mettez KO 5 Pokémon avec vos Pokémon psy. Ok. Donc il faut... bah c'est niveau 5 aussi, ce serait bien.
Ouais, bah le type fait, bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors attends, c'est dans... On peut pas le faire dans défi du dresseur, donc c'est versus ou événement. Et bah on va tenter des versus. Réinitialisation de l'échelle versus, bien sûr. Et il y a aussi des petits ajustements. Alors tous les decks, alors, standard. Melee Mewtwo, pouvoir cérébral. On va faire du pouvoir cérébral. Du Melee Mewtwo. Allez. La résistance, le calcul de la résistance a changé également. C'est moins 30 désormais. Avant c'était moins 20. Il y a eu une période où c'était déjà moins 30. Mais là c'est revenu du coup à moins 30. Doom 022. Oh, beau gosse. Alors tu décides, qu'est-ce que tu décides? Bah alors. Allez! Donc à moi de jouer en premier. On ne peut plus jouer non plus de cartes dresseur, il me semble, de cartes supporter en tout cas dans le premier tour. Alors, en taille double, j'aime pas les dégâts. Je peux réfléchir, non? Hop. Doop doop. Alors, Simogo. J'aime bien sa technique. Il rend confus ou empoisonné, ce qui est quand même pratique. Et là, j'ai terminé parce qu'évidemment, je ne peux pas attaquer vu que c'est le premier tour. Problème. Ah non, il résiste du coup. Non, il est faible au psy. Pas top, il a pouvoir cérébral. J'imagine qu'il a le même défi quotidien du coup. Moi je joue avec un vieux deck hein. Parapapaparou. Ça loupe. Ah, Spectrum. Voilà. Des petits dégâts, mais en même temps jet de sable, ça baisse sa précision, c'est toujours pratique. Il a une foule de cartes ce mec. Et moi j'ai pas d'énergie. Là j'ai une main pleine de Pokémon, du coup ça... Ouais bah c'est ça, nargue-moi. Allez donc, gringogo. Ah, Tierno, Dieu merci. On va piocher des cartes.
encore des Pokémon. Je peux pas piocher Mewtwo, non? Il est en train de préparer là son... Voilà, voilà, allez. Il va y avoir un Galam dans 2 secondes. Il est lent Jean-Maurice, hein. Tu loupes. Oh, pitié. Ah, c'est bon, c'est Mewtwo. Mais il voit que j'ai pas d'énergie, donc il doit se moquer de moi. Allez donc. T'es horriblement long, hein, garçon. Parapapapadam. Sans blague. T'as besoin de réfléchir autant pour faire ça? Super, il échange en premier. J'ai pas trop le choix. Attends, oui, je suis con, je savais qu'il allait me tuer. Mais bon, c'est pas grave. C'est débile, j'aurais dû envoyer Nidoran, mais c'est... Enfin, n'importe lequel autre. Plutôt que me faire buter mon Spectrum. Mal joué. Tiens. Bouffe ta précision de merde maintenant. Tu vois, moi je joue rapidement. Je suis pas chiant. Toi t'as intérêt à... à bien l'emmerder après. Bah, je vais être joueur. Faut que j'ai une énergie. Sinon ça va pas aller. J'ai du bol. Ah, ça fait moins le malin, hein. Pour chaque énergie attachée au Pokémon actif de l'adversaire. Donc... Et mon bouclier. Je sais pas si ça vaut le coup d'armer bouclier. Mais bon, ouais, ça peut toujours être utile. Petit con. T'essaies de gagner du temps. Perdu. Topiqueur, Topiqueur. C'est quoi son talent? Submergé. On évite tous les dégâts infligés aux Pokémon par les attaques et par mes attaques précises. À moi aussi. Allez, pas d'attaque de banc. T'envoies que des Pokémon faibles face à mon type, hein. Je dis ça, je dis rien. Ah, tu veux attaquer. Ah, ça fait bobo quand même. C'est pas grave, regarde. Hop. Et Topiqueur, j'ai trio déjà. Est-ce que j'ai quoi dans ma main? En base
Voilà. Petit coup de pression. Voilà. Parfait. Mon deuxième Mewtwo est prêt à taper. Réfléchis pas trop, hein. Tu vois, il n'y a pas besoin de réfléchir. Il a plus mis de Pokémon sur son banc, j'avais même pas vu. Enfin, pas sur son banc, pourquoi? Non, attends, pourquoi j'ai gagné? Il avait des Pokémon sur son banc. J'ai pas compris là. Oh, il m'en manque juste un. Juste un Bridou. Ok, bon. Merci. Petite récompense. On va jouer pouvoir cérébral. Il y a une Pokéball en or. Monsieur a l'armée Léon. Qui sort son nouveau deck. Hein. Alors déjà j'ai Galan. Il faudrait quand même... Le petit Arsal, ce serait bien. Soixante-dix points de vie. Ils sont tarés là sur. J'avais même pas fait gaffe. Regardez cette carte du dessus de votre deck. Allez. Super. Et crémeux. Je vais me faire poutrouiller à une vitesse poutrouillante. Déjà. Ah, recherche professorale. Bon. On aime bien les skitty, hein. Un peu trop la honte. Nigosier. Gros Nigo. Et voilà, les Argus, super. Peut-être mettre quand même un Skitty là. La honte. Je vais me faire mais dépoussiérer le visage. Krabi, sa super tranche, une attaque à 120, mais il faut qu'il réussisse les deux lancers de cartes de pièces. Gros arrosage.
On va dire que j'ai pas eu de main heureuse. Allez, vas-y, on sait que c'est fini là. J'ai été balayé. Ah, puis un bon coup là. Chapeau. J'essaye de me battre avec un Skitty. On va alterner du coup. Naruto, pff, mon dieu. Arrêtez avec ce genre de pseudo. Bon, apparemment il est né en 2008, hein, si j'en crois son pseudo. 180808. On va pas lui en vouloir. Oui! Allez, moi j'ai déjà choisi là. J'aime bien toutes ces altérations d'état. Doran, bah, pour l'instant, je garde. Commence à le faire flipper. Lance une pièce. Alors du coup tu vas être quoi, confus ou empoisonné? Empoisonné, très bien. Commence à préparer le Mewtwo. Allez, rends le confus maintenant. Ah, dommage. Ça aurait été bien, confus plus empoisonné. Ça soigne. Ah, la sale bête. Évidemment. Il va me falloir de l'énergie, j'ai l'impression. Il augmente ses dégâts en plus, c'est un petit peu dommage de le jouer maintenant, mais bon. C'est pas très utile. Énergie, faut croiser les doigts. Et crotte. Ça fait 120. Voilà. Je sacrifie mon Fantominus, hein, tant pis. Il prépare son sol Galéo sur Lunala pendant ce temps, petit filou. Il aime bien piocher des cartes. Je sacrifie Jean-Maurice. Parfait. Mais dis donc, c'est le grand piocheur là, notre ami. Il faut juste que j'en batte un. Alors, qu'est-ce que je peux choper? J'ai que des énergies combat et psy de toute façon. Voilà. Parfait. Donc, mon défi quotidien, il est réussi.
Petite potion, ce sera toujours bien. Il prépare, il prépare, il prépare. Il le veut, son Sol Galeo, son Lunala. Lunala, hein, apparemment. Si j'en crois ce qui est écrit, du coup. Ce qui est dessiné, du coup, sur le deck. Il reprend son Ourson et son Chelours. Et il pioche. C'est plus une main, là. Nounourson, je parie. Ah non. Tritox, bah pourquoi pas. C'est gardiens ascendants. Réveillé. Et très beau son jeton d'ailleurs. Ah mince, je suis endormi. Potion c'est 20 hein. Non c'est 30. Ben on va. On va attendre qu'il ait 30 points de dégâts quand même. Nounourson qui revient à la charge. Putain de... Pardon. Il est relou le Naruto. Faudrait réussir à le faire piocher encore plus, mais il lui reste plus que 3 récompenses. Loop. Parfait. Ok. Tagnon, ça pourrait être utile contre notre ami Chelours. Si jamais il me met KO, et ça va être le cas. Il est terrible Chelours hein. Faut pas l'affronter avec un Pokémon non évolué. Tiens. J'aurais peut-être dû l'économiser mon Tagnon, mais c'est pas grave. De toute façon tout ce que je voulais c'était réussir déjà mon défi. Tant de douleur. Allez, achève-moi maintenant. J'ai le droit à un booster. Allez, je gagne un niveau avec mes psys. Hey. Le jeton des Zeus. Les Zeus m'attaquent. Alliance infaillible. Très bien. Hop, parfait. Donc ça, c'est réussi. Vivement que je monte de niveau pour avoir plus de défis quotidiens. Hop, chaque fois je me trompe. C'est dans... Ah ! Collection. Ah, ma collection. Regardez toutes ces nouvelles cartes.
C'est le nouveau Pokémon. Fenard qui est juste trop belle. Malamandre, elle est tellement chelou. Frissoni, j'adore ce nouveau Pokémon. Ponyta de Galar, oh quelle beauté. Il y a le let's play de Pokémon épée et bouclier d'ailleurs sur ma chaîne. Je vais le savoir déjà, mais au cas où, je vous le rappelle. Alors par contre, j'aime pas les nouvelles cartes parallèles. On voit mal. Ce petit dessin déjà, il est pas très joli. Et on les voit mal en fait. Les cartes ténèbres par exemple en parallèle maintenant. Pas trop fan. Je préférais les anciennes parallèles. Regardons ici si on en voit une ancienne. Là voilà, regardez, c'était plus joli avec le dessin en grand comme ça. Bref. Alliance infaillible. Allez, crée mon booster. Oh, Mystère de laine. Dodrio. Oh, celui-là, je l'ai pas. Il est trop bien. Et là. Ah, celui-là, je l'ai. Zeraora. On va pouvoir reprendre du coup le défi du dresseur. On va faire une petite pause avant. Championnat municipal. Il y avait déjà ça avant. Municipal, vraiment. C'est les élections bientôt, il faut dire. Alors, qui c'est qu'on va se farcir du coup? Est-ce qu'on continue à avancer ou pas? Tout à fait, en même temps. Ali, psy. Psy contre psy, ça peut être rigolo, hein. Allez. J'aime bien jouer avec mon mêlée Mewtwo, j'en profite. Même s'il me voudrait plus de sous pour pouvoir utiliser justement. Enfin, acheter des nouveaux decks. Ce serait bien. Et, mais d'ailleurs, je peux utiliser un de mes nouveaux decks d'épée et bouclier. Ce serait peut-être bien. Je dois prendre une misère. Voilà. Pour des énergies, bon, pourquoi pas. Après, je vois si je peux utiliser mes nouveaux decks d'épée bouclier, ce serait bien quand même. Nosferapti, petit. De vigueur spectrale. Ciel rugissant. Je commence à bien reconnaître les symboles. Ça, c'est XY du coup. Soporifique. Tunnel profond. Alors du coup, 30 dégâts à qui je veux. Allez, Nidoran. Oups. Il va me défausser quelque chose, ce salaud. Faudrait que je m'occupe de son Nosferalto là. Et il résiste. En même temps, il n'y a pas de... Ah! Ou alors la violence, comme ça on se calme directement. Hein? Non mais je vous jure. C'est pas possible. J'ai à peine eu le temps de profiter de mon petit topiqueur. Nidorina. De Primo Choc. Plus je suis faible. Alors, Pokémon de base, ça va me faire du bien, tiens. Hop, terminé. Bien rigolé. Alors, je vais quand même améliorer ce Sopo là parce qu'il a quand même honte folie. Tiens, Zinzinette.
Voilà. Bien fait. Ah, il réussit. Ouais, alors tu te calmes direct quand même, parce que j'aime pas trop ce que tu fais dans la vie. Nidoranmal. Un petit Nidorin en face. Faiblesse psy, c'est parfait ça. Je m'étais même pas équipé d'énergie au tour précédent, bravo loup. Bim. C'est là mon Mewtwo est lancé. On va en lancer un autre. Hop là, voilà. C'est quoi son pouvoir qui est plutôt que épreuve d'endurance? Attends, laisse-moi lire. Chacun des Pokémon. Pas de talent. À part les Pokémon psy. Ok. Tiens. Aïe, tu me fais mal. Ça, c'est terrible quand même. J'aurais quand même bien dévasté avec mon Mewtwo. Et voilà. Victory. Yeah. Très bien. Merci, bébé. Regarde, j'ai mes... Bah oui, autant jouer avec cela quand même. Go rythmique. Allez. Je ne perds pas très souvent, c'est ça, ouais. Bon, je vais pas jouer l'efficacité, hein. L'électrique plante au moins, on va résister, mais bon, et encore. On s'en fout. Bon, on est là pour voir un petit peu les nouvelles cartes, les nouveaux Pokémon. Ah, on flex, il va être long à préparer. Donc du coup, on va peut-être partir sur un... Allez, un Doudouvé. Marrakech était plus intéressant, mais bon. J'aime bien faire Faduvé. Alors les nouvelles cartes énergie sont trop belles, je trouve. Oh non, non. Relou, sérieux. Défausser la main puis piocher cette carte. Peut-être quand je me serai débarrassé de mon badaboin. J'ai plus d'énergie quoi. Ah ouais d'accord, ah ouais d'accord. Il y a pas mal de PV Marrakechi quand même là. Ah bah. Okay. Ravi de t'avoir connu hein. À moi de jouer. Alors, hop. Piocher trois cartes. Allez.
Ouais, je m'en fous. Je fais évoluer mon Wistempo. Timmy. Et vas-y, qui va le refaire exploser. Bien. Ah là, ça va être moins rigolo. Wouf. Donc c'est pour chaque carte énergie hein. Donc plus on va en foutre, plus ça va faire de dégâts. Voilà. Redoutable cette carte quand même. Allez. Fais-le exploser qu'on rigole. Ah, roulade continue, t'arrives même pas à la commencer. Alors si je te tue, t'es foutu. Et t'es foutu. Mais quelle victoire incroyable. J'ai à peine eu le temps de profiter du deck hein, mais... Ah bah il y a mon Farfetch'd UV qui est arrivé. Merci Marakashi. Alors on va faire une petite on va alterner quand même. Enfin non, contre Calvin on va pas alterner. Attends, Ali. Pire au but. Allez. Contre Calvin on reprendra. Avec les plantes évidemment parce que bon, j'allais pas prendre du feu contre l'eau. Ça aurait été un petit peu douloureux pour les fesses. Alors, bah écoute, pas 36 possibilités, mais c'est bien, on a déjà l'évolution. Mister Moumouflon. Culbuto qui est relou. C'est bien ça. Chaque marqueur de dégâts et il peut piocher, c'est intéressant. Attachez une carte d'énergie de base de votre main à un de vos Pokémon de banc. Ouais, allez. Ok. Je prends une carte supporteur. Nabil. C'était con parce que c'était la prochaine à piocher, donc mais bon, c'est pas grave. En plus, comme j'ai déjà joué un dresseur, c'est pas grave. Un supporter. J'ai pas trop aimé ça. J'aime bien le fait que tu loupes tes dégâts. Dragueul. Énergie s'il te plaît. Oh crotte. Mélangez avec votre deck. Alors attends. Avec votre deck jusqu'à 2 cartes d'énergie de base, votre pile de défausse. Ah. Pour l'instant, j'en ai perdu qu'une seule. Non, ça me fait rien. Je me protège avec grâce à la Cotogarde. Hop. Défaussez votre main puis piochez cette carte. Allez, je défausse. J'ai pire au but, génial. On va donc le préparer. Tente de me faire des dégâts.
Moi, je suis un momouflon. On plaisante pas avec momouflon. Il est puissant, quand même. Ils sont violents, les petits Pokémon de la 7e... 8e génération. 8e ! Le temps passe tellement vite. Non, vous faites pas de dégâts, là, depuis tout à l'heure. Ça sert à rien. Ah, tu vois, marche pas. Allez, pour m'amuser. Comme ça, il peut perdre des techniques, enfin des énergies avec sa technique flamme éclatante. Parce que si on loupe le tirage, il perd 2 énergies, mais il peut la récupérer avec manteau de feu. Donc ça, c'est juste génial. On va faire flamme éclatante. Passe, donc là, on garde les énergies. Les moumouflons étaient géniales en blocage de dégâts, franchement. Perdu, c'est pas grave, je vais récupérer avec manteau de feu. Puis même, de toute façon, je peux en attacher autant que je veux là, donc. T'embête pas. J'ai fait facile ces dégâts. Hein. Oh là là! Quelle surpuissance, les amis! Quelle surpuissance! On a gagné un booster! Ultra Prisme! Qu'est-ce que j'ai pu en bouffer des boosters Ultra Prisme? Oh là là! C'est pas là! Chaque fois, je me perds. Ici, collection. Attention, tout ça j'ai en parallèle une rare du coup, Magirna et ouh putain. Alors elle, si je pouvais l'avoir en vrai, je serais très heureux, dis donc. C'est la première secrète du coup, 157 sur 156. Oh là là, Philali. Bon. Ah. Bref. Oh là 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 là. Bon. Oui. Où suis-je? Moi, j'avais dit Calvin. Retour avec Gorithmic. Mon petit Calvin. Non, je débute pas du tout, mon grand. Je joue pas forcément hyper bien, mais je débute pas non plus. Alors, mon Pokémon actif. Ma Maracaché est assez zinzin. J'ai envie de dire. Mais pour changer, hein, qu'on voit un peu d'autres trucs. Mais c'est vrai que Maracaché, en plus il a tellement de points. Ah, ça balance Kyogre tranquillement. Je vois qu'on ne s'embête pas. Bah faut y aller hein, parce que il est bien voilà. Il est bien pourvu, on va dire. 190 points de vie Gorithmique.
épaules. Blanc coton, blanc coton. Bon. Un autre Marakashi. Ça va être long. On va équiper bien Marakashi hein, parce que c'est assez puissant. J'ai du bol jusque là, mais ça va pas durer. Alors, qu'est-ce que je peux prendre? Blanc coton, du coup. Allez. Il est pratique pour pouvoir foutre de l'énergie. Je vais quand même faire feuillage. Mince, j'ai pas mis d'énergie. Ah! Rythmique, c'est bien sympa. Si je pouvais avoir les petits les Wiz Tempo et tout, ce serait bien. Bon, déjà on s'est débarrassé de ça, c'est pas mal. C'est marrant, je crois qu'il est... Ah non, faiblesse au métal, à ma gare, j'avais vu faiblesse à l'électricité, j'allais dire pour un Pokémon qui est du coup glace, roche et qui n'est pas du tout faible à l'électricité, ça aurait été bizarre, mais non. Il est doublement faible à l'acier du coup, et là effectivement c'est sa faiblesse ici. Nabil. Ah bah très bien, ah non j'ai déjà fait le... Supporteur. Ah bah ça va faire mal. Ah bah j'avais prévenu hein. Y'a pas besoin d'en faire autant mais bon. Pourquoi jouer Gorythmique quand on a Marakashi? Juste pour être sûr. Voilà. De toute façon, ils veulent pas sortir les Wiz Tempo, donc... Ah bah voilà, ils étaient là. C'est un peu trop tard. Là. Super gros plongeon. C'était très utile, youpi. Merci beaucoup, j'ai adoré, c'était formidable. Il est redoutable, je suis halluciné de sa force à Marakashi, c'est assez abusé avec 110 points de vie en plus, enfin le monstre quoi. Pour un Pokémon dont tout le monde se fout, soyons d'accord. Alors peut-être que j'améliore quand même mes decks là, profondeur cachée, tu vois j'ai... Hein. Tu vois. Encore des cartes à déverrouiller. Allez, on essaie de déverrouiller des cartes du coup. Salut Tyson.
Pas de blague sur la nourriture ou la boxe, ok. Bah écoute. On fera pas de blague. Alors. J'aime beaucoup Aquali. Maintenant, il me faut Aquali. Ça commence bien, il a déjà un lombré. Ah! Je déteste les attaques où il faut. Enfin, pile ou face, quand c'est comme Marakashi tout à l'heure, ça vaut le coup, mais là. Une chance sur deux, c'est un peu plus délicat. Là, il va encore le faire évoluer. Évidemment. Bon sang de bonsoir. On est mal barre, hein. Voilà. Prévisible. Oui, bah tu peux empoisonner les KO de toute façon. Je suis faible face à la plante en même temps, donc. Il arrive pas, hein. Ça va être douloureux, hein, ce combat. Enfin, il va être court, donc ça va pas être trop douloureux au final. Oui, on a bien vu que c'est une Super Bowl. On a avec 3, c'est pas grave. Mets-en au moins un KO, s'il te plaît. Même pas! Allez! Casse-toi! Tu putes, t'es mort! Ah bah voilà, en pipi maintenant. Maintenant il frappe. Ah non. Ah, il peut pas encore, il a pas assez de... On va tenter un truc, hein. Pff. Oh là là là. Mais tu me soignes du coup, c'est con. Yeah.
Achève mes souffrances au lieu de me torturer là. Ouais, d'accord, mais du coup tu soignes. C'est débile ce que tu fais. Ce serait ouf. Pour le fun. Petite chance de réussir. Ah mais avec son lombré c'est un peu relou. Ne mets rien sur le banc. Hop. Il va me changer de toute façon. Ouais, sauf s'il arrive pas. J'aurais dû garder ma potion. Hein? Oui, je vais pas prendre le risque de me faire des dégâts moi-même. De toute façon, c'est une vraie attaque que je veux faire. C'est vent glaçant que je veux faire. Ouais, quand je veux me faire soigner, il n'y arrive pas. Putain! C'était ce qu'il fallait mettre avant, pas après. Non, c'est pas grave. Il reste plus beaucoup de cartes, hein, ce petit. On peut peut-être gagner comme ça. Relou, sauf si. D'accord. Un peu relou de devoir faire ça, mais bon. Timmy, il fait quoi? Carte d'évolution. Ok. M'intéresse pas. Évidemment. Par contre, il peut tuer Poissirène hyper fastoche. De soin. Là, s'il l'échange, il peut tuer Poissirène et gagner. Ce qui serait con, mais bon, c'est pas grave. Ça aurait été rigolo. Oh putain, merde. Dommage, 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 dommage. Ouais. Ah là là. Bon, alors attends, Calvin. Au contrôle. Je veux quand même améliorer mon... Je veux quand même améliorer mon deck. Oh, allez, dernier combat. Mais j'ai fait des petites erreurs tactiques qui m'ont fait perdre la fois dernière. Donc bon.
Avec la Fiat, une carte pour chaque Pokémon de base du board. Une seule carte, c'est pas intéressant. Fais check ton gris-gris là. Là, comment ça devient intéressant là, ma petite, ma fillette. Je vais la jouer. Hein? Chaque Pokémon de base. Ah mais oui, mais les fossiles. Ah c'est déjà ça. Non. Ah quoi? Autant. Aquali comme d'habitude. Ok, il faut combien? 3. Ouf. Comme d'hab. On va pas y arriver, hein. Pas d'énergie de toute façon. Oh là là, j'aime pas finir sur une défaite. Ah, oh, tu es saoulé avec tes fossiles là. Pouette, pouette. Allez, joue un petit peu. Bah, d'accord, allez. Non, non. Pas quand on lui dit non. Putain, t'arrives que maintenant toi petit con. Ouais. Bah. Allez. Alors, carte dresseur. Pêcheur. Et foulard. Ah, c'est une seule. Ah, c'est dresseur, ça c'est pas... Si, toi. Non, genre, je vais dire qu'une seule. Tente un truc. Il est super préparé lui pendant ce temps. Parfait. Là tu me prends le pêcheur.
Ok. Voilà. Avec ton gris-gris protecteur. Gris-gris protecteur, là. Tu saoules. Un petit soin. Un gros dégât. Et vas-y, la garde des Aquali. Oulala. Loupé. Encore du soin. Bah alors, pourquoi tu m'as pas fait cyclone océanique, marée naissante, nombre de côtés face, ah oui. Voilà. Comme quoi l'espoir est toujours permis. Un joli Manaphy. Pokémon fabuleux. C'est donc le joli Manaphy, hein. Ça fait d'une en plus, c'est pas grave. Ah, ça résiste. Je me permets de me soigner. Oh, Gamblast. Bah voilà, à plus Gamblast. Et on a quand même gagné. Comme quoi. Parfois rien n'est joué. La bonne pioche. Oh bon, ah, Léviator, voilà. Là ça devient intéressant. Et un petit tempête céleste. On va l'ouvrir et on terminera du coup la vidéo là-dessus. Tibilip, tibilip, tibilip. Touk, 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 touk. Ah là là, Chétiflore, 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 Chétiflore. Drattak, celle-là, je dois pas la voir, je crois, en vrai. Sympa. Bien, bah c'est la fin de cet épisode, du coup merci à tous de l'avoir suivi, hein. Comme d'habitude n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, on se retrouve bientôt du coup pour la suite de Pokémon cartes à jouer et à collectionner en ligne, et puis on essaiera de s'acheter un petit booster, il me faut des pièces pour ça, on veut des pièces pour s'acheter un booster, un pack, des vieux packs, hein. Un vieux XY... Évolution, ce serait bien. Ah, le Pikachu. D'autres, le deuxième. Le Pikachu, bien sûr. On prendra le Pikachu. Allez, ciao.